à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans ce dernier épisode de Tune Your Sound. Toutes les bonnes choses ont une fin, voilà, on est dans ce lieu exceptionnel. Encore un petit peu, on va profiter de cette guitare qui me met les frissons. Voilà, je vais vous en parler juste après, mais voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On remercie encore notre partenaire The Guitar Division. Alors comme je vous le disais, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La Les Paul de 1954 de Monsieur Alan Wilson du groupe Caned Heat. Le passage à Woodstock du groupe est mythique, et notamment le passage du Woodstock Boogie. Ce passage au slide que Alan Wilson fait avec cette lumière fantastique, on en a parlé dans l'épisode d'introduction de cette mini-série. C'est vraiment des images qui m'ont bouleversé. J'étais tout petit quand j'ai vu cette VHS la première fois à la maison avec mes parents. Et ça a été vraiment un chamboulement dans ma tête, ce son de guitare, le son de slide qu'Alan Wilson dans cette vidéo, sur ce live à Woodstock. Et puis quel musicien, ce Alan Wilson. Voilà, si vous ne connaissez pas bien Caned Heat, je vous invite à écouter. C'est un groupe fantastique et cette guitare a fait partie de l'histoire du groupe puisqu'il l'a joué jusqu'à sa mort. Malheureusement, c'est quelqu'un qui nous a quitté beaucoup trop tôt, encore un. Mais voilà, on va essayer de lui rendre hommage à notre façon avec cet instrument qui a traversé l'histoire de Caned Heat, puisque après c'est Bob Hight, le chanteur du groupe, qui l'a joué sur scène, qui l'a beaucoup joué, comme vous pouvez le voir. On reviendra sur ça dans cet épisode. En attendant, on va jouer un peu de guitare. Aujourd'hui, on est en présence d'un ampli exceptionnel aussi derrière moi. C'est quelque chose qui était là-bas, au fond d'une pièce, un Dumble Overdrive Special. C'est vraiment très 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 rare. J'ai mis un petit moment à l'apprivoiser. C'est vraiment pas facile à régler comme ampli, mais alors une fois que c'est réglé, j'ai pris une baffe monumentale. Là, le couple guitare ampli, ouvrez bien vos oreilles, mettez du son parce que vous n'entendrez pas ça tous les jours. Pas trop quoi vous dire, honnêtement, j'ai
pas de mots, j'ai vraiment les frissons de jouer cet instrument aujourd'hui. Et il n'y a pas de hasard, je l'attendais, cette guitare. Alors j'ai joué des instruments exceptionnels. Il y a une ES-335 qui m'a beaucoup marqué. Voilà, il y a une, quand même essayé une Burst, une Les Paul de 1959. Mais honnêtement, je ne savais pas si ça allait être bien. J'avais peur d'être un petit peu déçu parce que c'est tellement mythique pour moi, cette guitare. C'est sûrement la guitare qui m'a fait jouer du slide, honnêtement. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est vraiment la folie furieuse. Je suis hyper à l'aise sur l'instrument. C'est déconcertant. J'ai l'impression d'avoir toujours joué cette guitare, qui est d'une facilité, mais encore une fois, mais complètement déconcertante. Un manche hyper fin, hyper agréable. Pas du tout une guitare raide, pas du tout une guitare exigeante. Une guitare qui laisse passer plein de choses. Quand on baisse les volumes, je vous refais écouter ça, mais c'est le pied d'avoir ça. Organique, ça chante, ces micros, c'est quand même incroyable. Moi, c'est mes micros préférés, par-dessus tout les P90 des années 50, et ceux-là, ils ont fait un petit peu de route, comme cette guitare, qui, voilà, son look parle pour la guitare, honnêtement, c'est une guitare qui, voilà, a tout vécu, je pense, même les pires horreurs, mais elle est encore là, et elle joue parfaitement bien, et ça, c'est quand même beau. L'histoire est belle. La tête n'a même pas cassé. Il y a eu comme une sorte de début de casse, mais elle n'a pas cassé. Les mécaniques ont été changées par des chalères. La guitare a même un trou ici, au niveau du potard, là, du volume aigu, qui est vraiment un trou où on peut passer quasiment un doigt. Hein. Elle a vécu des choses, mais elle est là. Et je pense que si elle sonne comme ça, c'est pas pour rien non plus. C'est pas un instrument qui est resté dans un salon. Encore une fois, les instruments qui sont ici, ils jouent. Et ça se sent, et là c'est le parfait exemple, c'est une guitare qui a énormément joué et qui joue encore et qui en demande encore. On peut rentrer dans l'instrument, ça bouge pas, c'est fantastique. Alors les amis, on n'a pas beaucoup parlé de ce Dumble qui est derrière moi, de cette Overdrive Special. On n'a pas tous les jours l'occasion de jouer ça. C'est un ampli très 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 puissant, je suis extrêmement impressionné par la puissance de l'ampli. Il fait 100 watts, on peut aussi le passer en 50 watts, mais voilà, en 100 watts ça sonne super bien, c'est plein de corps, plein de vie. C'est pas du tout agressif, c'est pas du tout quelque chose qui casse la tête. Ça envoie, mais ça casse pas la tête en deux, quoi. C'est très très agréable à jouer. Et il y a ce gain qui est exceptionnel sur cet ampli, qui est un petit peu dur à régler. C'est un gain en cascade, en fait. Il y a un canal qui rentre dans le canal. C'est un petit peu dur à régler, je vous le disais au début. Mais une fois qu'on a trouvé le truc, on a juste à tourner le petit bouton magique overdrive. Il y a quelques positions aussi, quelques switches, voilà, pour avoir un son plus clair, moins clair, plus mid, etc. Deux, trois options. En 1981, parce que cet ampli du début des années 80, c'est déjà, voilà, des petites prouesses, hein, de Monsieur Dumble, que de proposer ce genre d'options. Un instrument qu'il faut écouter avec un bon son à la maison. Si vous écoutez cet épisode, j'espère que vous l'écoutez sur un bon système son. Et malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On va devoir se quitter pour aujourd'hui. Et je vais rester un petit moment avec cette belle guitare qui franchement me met la chair de poule. J'ai vraiment du mal à vous parler dans cet épisode, je pense que ça se ressent. Je vais jouer un petit peu en slide, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est la guitare qui m'a donné envie de jouer du slide sur ce fameux passage Woodstock Boogie. Je vais le faire un petit peu à ma sauce. Je vais pas copier, je vais juste essayer de m'amuser sur la guitare, d'appréhender ce bel instrument et de m'exprimer dessus, parce que c'est un grand privilège. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette mini-série vous a plu, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Tone Factory. Ciao les amis.